Europe 1 Bonjour, Fabienne Lemoyle. 6h56, l'heure de retrouver Mickaël Hirsch. Et Mickaël, vous avez décidé d'écrire à un ami qui nous veut vraiment beaucoup de bien. Absolument, Fabienne. Cher préservatif. Si je t'écris, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et que cher préservatif, n'en déplaise à certains esprits étroits, les fameux condoms, qui ne te trouvent pas très catholique et préfèrent pas niquer, tu es devenu incontournable et c'est tant mieux. Comme me le disait d'ailleurs hier soir, tard, Eva, quand on t'évoque, cher préservatif, c'est plutôt bon signe. C'est qu'on est sur le point de faire un petit bout de rut avec quelqu'un. Alors oui, c'est vrai, Fabienne, ce petit morceau de caoutchouc n'est pas toujours idéal. D'abord, ça veut dire qu'il faut payer quand une personne nous invite à la visiter. C'est latex d'habitation. Et puis, il faut payer à chaque fois qu'on veut y retourner. C'est latex sur le revenu. Mais pour 50 centimes d'euros, franchement, comment hésiter entre les bourses ou la vie ? En plus, le préservatif, qui existerait depuis l'Égypte ancienne, plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, a su se moderniser et se décliner dans toutes les formes et à tous les goûts. Il y a des capotes de pommes, des capotes de poire, et on se demande même jusqu'où les capotes iront. Il y a des phosphorescents, des fluorescents et même des plus ou moins récents. Et il y a même depuis peu, figurez-vous, un préservatif connecté. Et oui, ça existe. Ça permet d'avoir un suivi statistique après chaque moment de plaisir. Et avec un préservatif en Wi-Fi, même la technologie s'enfile. Alors, pour résumer, à tous les âges, jeunes, vieux, ados ou même anciens beatniks, un bien joli mot d'ailleurs pour cette chronique, eh bien la consigne, c'est la même pour tout le monde. Le préservatif, c'est pas facultatif. Même pas besoin de faire de longs discours, car sans toi, il n'y a pas débat. Et on le met autant pour soi que pour l'autre, car on fout pas la vie de gens en l'air pour une partie de jambes en l'air. Alors, comme on dit avant un bon pique-nique, sors tes couverts en plastique. Tendrement, Mickaël. Merci beaucoup, Mickaël. Europe 1.